Les 39 marches. Oh, hein, vous avez été poigné à Les 39 marches, c'est une comédie policière. En fait, comment la décrire? Complètement débile? Ouais, c'est ça. Bon, moi, je suis le héros. Je joue le rôle d'un gentleman anglais. Je m'appelle Richard Henney. Richard? Richard. On dit pas Richard? Non, on dit Richard. Richard comme dans Richard? Oh. En tout cas. On me soupçonne d'avoir tué une espionne allemande jouée par Diane. Diane? Diane. Non, on dit Diane. Non, on dit Diane. En fait, je suis innocent. Mais ça. Oh, Diane, fais-lui ton espionne. Dans ma fuite, je rencontre des méchants moineaux joués par ces clowns-là. On fait des policiers, des détectives, des femmes de ménage. Des laitiers, des fermiers, des commis voyageurs qui vendent de la lingerie fine. Des artistes de musical, des shérifs, des politiciens. Des chefs de garde, des camelots, des pilotes d'avion. Puis là, on parle juste du premier acte. Mais on vous raconte pas tout. Il faut à peu près une trentaine de personnages, des fois deux, trois en même temps. Je sais pas comment vous faites. Nous autres non plus. Lui, là, Richard, il a voulu coucher avec ma femme. Puis dans mon dos, à part de ça... C'est pas ce que j'ai cru, mon homme. Puis on est tombé en amour. C'est facile, regarde-moi. Ça marche-tu? Cela connaît un succès fou. Oui, ça l'a gagné! Ça l'a gagné le premier prix de la meilleure nouvelle comédie. À New York, à Paris, à Londres. Et bientôt à Brassard. À Québec, à Montréal, à Québec et à Sherbrooke. On joue deux fois à Québec. Oui, on y va, puis on y retourne. Ça donne pas, la salle n'était pas libre. On va aller. Actuellement, on va aller dans toutes les régions administratives du Québec. Chaudière-Appalaches. Témiscouata, Duplessis. C'est les 39 marches. Non, non, mais là... Ouf, moi, je m'en vais, je t'ai fait...